Seigneur Jésus-Christ bénisse tout à chacun de nous. Voilà où se trouve sa part pour la mort comme on a vu. Et bénisse toi qui as chanté pour lui. A part pour l'ailleurs, il est dit pour la tine à l'ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà où se trouve sa part pour l'ailleurs. Nous acclamons fortement pour lui. C'est dans ce moment qu'on va passer. Lui qui nous donne la joie que nous avons ce soir. Il est avec lui ce Seigneur, tout le monde a mis la main pour pas mon. Lui pour qui nous nous sommes réunis ce soir. Vraiment que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Lui qui a occasionné cette réunion, notre culte. Et nous croyons que quand le Seigneur nous appelle, dans une convocation solennelle comme celle-ci, c'est pour nous bénir. Pour nous faire du bien. Je crois fermement que le Seigneur ne nous renverra pas à vide. Le Seigneur va combler à ce qui manque à ta vie. Le Seigneur va assurer, va donner assurer la victoire dans tous tes combats. Parce que tu n'es pas venu devant des hommes. Tu es venu devant du Dieu d'Israël. Le Dieu terrible. Le Dieu redoutable. Et il va faire des grandes choses dans ta vie. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu. Les docteurs Papi Luleka. Qui nous avait quitté pendant bien des moments. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur qu'ils soient ensemble avec nous. Avant que le Seigneur soit béni à cause de sa présence. Je crois que vous êtes aussi dans la joie de les voir au milieu de nous. Avant que le Seigneur soit loué. Bénissons aussi le Seigneur pour la présence du docteur Emmanuel. Nous croyons que la présence des hommes de Dieu, c'est la bénédiction pour le peuple. Nous les répétons à tout moment comme on avait posé la question au prophète Samuel. Les pères de David. Les pères de David lui a posé la question. L'avenir annonce-t-il quelque chose d'heureux? L'avenir du prophète a toujours un message qui s'est vaincu. Et nous croyons que la présence ici, c'est pour notre bénédiction. Et en dehors de tout cela, c'est aussi, ce sont aussi des pères pour nous. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'ils ont contribué aussi à la grâce. Et nous leur sommes très reconnaissants. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Nous faisons la lecture de nos textes. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Le verset 34 au verset 35. Nous allons nous lever. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous prenons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quiconque est né de Dieu, non. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Asalaka masumude.
parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malheur et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à ses écritures. Amen. Croyons que l'enseignant de cette alliance est du Christ. C'est lui qui a commencé de nous enseigner depuis le début de notre intervention. Et il continue à nous enseigner jusqu'à ce que nous allons descendre. Et même après, nous nous croyons qu'il va continuer son œuvre d'enseigner l'Église. Parce que l'enseignant de l'Église n'est pas un homme, mais Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il nous avait mis à cœur de parler sur les choses conformes à la sainte doctrine. Et je vous exhorte aussi à persévérer d'après le programme qui nous a été donné. Le programme de prière pendant toutes les journées de cette semaine. Et le soir, les cultes comme nous les avons toujours. Nous avons culte d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi soir. Et je t'exhorte à y persévérer. Parce qu'il y a un salaire pour le travail que tu es en train de faire. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu accomplis en son nom. Le Seigneur va te les récompenser au nom de Jésus-Christ. Alors nous parlions sur les choses conformes à la sainte doctrine. On avait touché les sept yeux de la foi. Et on était arrivé à l'amour fraternel. Et l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre nous recommande d'avoir l'amour fraternel. Et de l'avoir en abondance. On dit si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs ou paresseux ou stériles en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on parlait sur l'amour, l'amour fraternel. On a essayé de décortiquer l'amour. Et aujourd'hui encore, on va parler de cela. On vient de lire les Écritures. Nous venons de lire Jean chapitre 13, le verset 34. Là-bas, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache réellement que vous êtes mes disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé.
aussi aimer les frères de la même manière. On avait pris Romains chapitre 5. Là-bas, l'apôtre Paul est en train de témoigner comment le Seigneur nous a aimés. Et puis lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est autant marqué et mort pour nous. La manière dont le Seigneur nous a aimés, c'est lorsque nous étions encore pécheurs. C'est lorsque nous étions encore des impies. Mais lui nous a aimés. Il n'a pas regardé nos faiblesses. Il n'a pas regardé méchants que nous étions. Mais le Seigneur a déployé son amour à notre égard. Alors il nous laisse un commandement nouveau. Il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Alors par là nous comprenons qu'on ne doit pas seulement aimer les frères lorsqu'ils sont naturellement bons, lorsqu'ils sont bien éduqués, ou ils sont vertueux. Mais nous devons aimer les frères même s'ils ont des faiblesses. Même ici, ils ont beaucoup de choses qu'on les reproche. Et c'est ça l'amour de Dieu véritable. Et le Seigneur ajoute, c'est en cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Parce que le monde aussi est observateur de la vie des chrétiens. Amen. Le Seigneur a dit, pour qu'il puisse connaître que vous êtes mes disciples, vous devez vous aimer les uns les autres. Lorsqu'on vous verra en train de vous aimer les uns les autres, alors ils vont connaître que vous êtes réellement mes disciples. C'est pourquoi j'avais dit, l'église ou l'ensemble, il n'y a pas d'amour fraternel. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus est reconnue par l'amour fraternel entre les membres. Une communauté de gens qui se revendiquent prier Jésus-Christ, mais qui manque l'amour fraternel entre les membres. Et en ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur savait, lui il partira. Et les disciples resteront. Aussi longtemps qu'ils resteront ensemble, les problèmes ne manqueront pas. Les situations difficiles entre eux ne manqueront pas. L'amour fraternel. Avec l'amour fraternel, ils sauront aplanir tous leurs différends. Amen. Ils sauront aplanir tous leurs différends. Parce que les frères que toi tu peux voir, avec trop de faiblesses, avec trop de problèmes, il faut mettre dans ton cœur que c'est aussi un fils de Dieu comme toi. Amen. Il ne faut pas directement dire que non, je vois comme si ces frères-là n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Tiens à ton cœur que le Seigneur l'a appelé. Ce qui est de la fin ou de l'épilogue de sa vie, cela concerne le Seigneur. Mais quant à moi, je sais que le Seigneur l'a appelé. Regardez, frère. Je vous avais parlé de la poitrine du souverain sacrificateur. Sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait les 12 pierres précieuses.
souverain sacrificateur. Mais là-bas, comme des pierres précieuses. Il les a interdit les querelles.
aujourd'hui, nous voyons des gens qui confessent avoir la lumière de Dieu, mais dans des conflits interminables, dans des conflits par procuration. Des conflits interminables. À tel enseigne que si tu ne fais tu ne prends pas garde, tu entres dans les conflits dont tu ne sais ni les tenants ni les aboutissants. Non, frère. Dans les Écritures, ce n'est pas comme ça. Dans les Écritures, c'est qui ont la lumière doit vivre l'amour. Avant d'expliquer aux gens les 70 semaines de Daniel. Les gens doivent d'abord vous voir en train de vivre l'amour fraternel véritable. Paul est en train d'expliquer là. On avait dit le dimanche. Lorsqu'il explique le temps spirituel, il est arrivé à la fin. Il dit, maintenant je vais vous montrer un chemin par excellence. Il dit, quand je parlerai la langue des anges ou des hommes, c'est quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un cymbale qui retentit, comme un airain qui résonne. Regardez, frère. Il a dit même s'il donnait son corps, mais s'il manque l'amour, il n'est rien. Il a commencé à expliquer là. Il dit l'amour est patient. Ah, non, vous savez, l'amour est patient. J'avais expliqué la patience. Tu peux voir un frère dans la faiblesse, mais tu as patience à son égard jusqu'à ce qu'il n'ait plus. Jusqu'à ce qu'il soit affermi. Jusqu'à ce qu'il comprenne comme toi aussi tu as compris les choses. Amen. Amen. L'amour se réjouit de la vérité. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, il ne se fâche pas de la vérité. Il bénit le Seigneur. Parce que l'amour, c'est dans la vérité. Celui qui te dit la vérité, il t'aime. Quand ton frère vient te reprocher sur quelque chose, peut-être que c'est Dieu qui te parle aussi à travers le frère. L'amour se réjouit de la vérité. Pas seulement dans le sens de recevoir la vérité, mais aussi de dire la vérité à son frère. L'amour ne caresse pas dans le sens qu'il prend le cas de la l'amour. Ça dit la vérité, tout droit, sans embâche. Que frère, tu vis mal. Frère, tu es dans l'hypocrisie. Frère, tu es dans la vie du désordre. On n'est pas là pour s'écajonner les uns les autres. Non. Mais pour professer la vérité dans l'amour. Proverbe dit,
Il baisse les lèvres celui qui dit des paroles justes. Donc dans la Bible, vrai. Parce que baisser les lèvres, c'est les synonymes ou hein, les synonymes de l'amour. L'amour. Donc on compare ça à celui qui dit des paroles justes, droit à quelqu'un. Dans notre version, on dit celui qui te dit la vérité, c'est celui-là qui t'aime. Mais lui, ce qu'on dit, il baisse les lèvres, celui qui répond par des paroles justes. Dans Proverbe 26, le verset 24. Parce que l'amour fait réjouir de la vérité. Si nous avons de l'amour vrai, on aura moins de problèmes. On aura moins de problèmes. On va fermer toutes les portes aux divisions. Toutes les portes. Les divisions arrivent lorsqu'il y a des failles dans l'amour fraternel. Les diviseurs. Les calomniateurs. Ils vont souvent là où les gens se plaignent. Quand ils trouvent que toi, tu te plains beaucoup, c'est là-bas qu'il viendra déposer. Mais s'il te trouve ferme, il ne va rien faire. Il saura que s'il vient te dire quelque chose, tu le diras à la personne contre qui de vérité. Et puis vous serez là en train de parler de cette affaire et il sera dans la confusion. Nous voulons parler d'abord des choses pratiques. Il faut avoir la culture de la vérité. Dans l'église de Dieu, on parle de la vérité à son frère. Ce n'est pas une assemblée de gens qui, hein, qui se connaissent dans le mal. Étant spirituel, tu peux directement connaître que ce frère ici veut nous amener dans les disputes. C'est Dieu l'amour fraternel. Tu vas parler les chemins ainsi. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre dans l'amour fraternel. L'église, dans l'église, il n'y a pas l'amour fraternel, c'est invivable. Je vous avais dit, les temples que Salomon avait bâti. Quand le Seigneur frappait Israël à cause du péché de David et de l'ombre, et David est allé sur cette montagne-là pour offrir. Et le Seigneur a dit, alors je remets ton épée dans le fourreau. Et parce que David vit cela, il a acheté ou racheté. Et puis il a dit que c'est là que sera bâti la maison de Dieu. Là où le Seigneur a manifesté son pardon. Là où Dieu a manifesté son pardon. C'est là-bas que le temple fut bâti. C'est pourquoi Jésus a donné cette identité-là. J'avais dit que tu connaîtras que
tu as de l'amour fraternel, tu vois ton frère et tu es à l'aise et tu ne gonfles pas. Mais quand tu vois ton frère, tu t'enfles dans ton cœur. Parce que l'amour ne se porte pas.
L'amour Bolingo. Ne s'enfle point d'or. Il n'a pas l'amour fait. Toujours vanté. C'est toujours lui qui dit des bonnes choses. C'est toujours lui qui donne des bonnes solutions au problème. Les autres ne font pas bien, seulement lui. Il n'a pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et je l'ai toujours dit, celui qui a la grâce de Dieu n'est pas orgueilleux. Il n'y a rien qui tourmente les gens comme la grâce de Dieu. C'est comme un enfant capricieux. Ça n'aime pas l'orgueil. Si tu vois des gens qui prêchent orgueilleux, demeure seulement avec lui pendant un certain moment. Tu verras qu'il n'a rien. L'écriture dit très orgueilleux. Dieu il résiste aux orgueilleux. L'amour ne souffle pas le cœur. Et c'est ce que nous devons avoir, les sentiments d'un Christ. On dit de ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin et qui tua son frère. On dit parce que ses œuvres étaient mauvaises. On dit celui qui est son frère était meurtrier. Tu n'as pas tué comme ça. Tu n'as pas jeté en prison. Tu n'as pas jeté en prison après un procès. Mais Dieu te considère un meurtrier parce que tu es meurtrier. Maintenant, je me demande, un meurtrier entrera dans le royaume. L'enseignement que Jean a prêché, Jésus l'avait déjà prêché. Il avait dit qu'on avait dit aux anciens, tu ne tueras point. On avait dit, ton père, ton père donné la loi. Tu ne tueras point. Hein? Mais moi je vous dis, celui qui est son frère mérite d'être puni par les juges. C'est pourquoi Jean a prêché que celui qui est son frère est un meurtrier. Parce que c'était ça l'enseignement de Jésus-Christ. On dit si ces choses sont en avance, la porte du royaume vous sera pleinement accordée. La porte du royaume. Quand je méditais cela pour le prêcheur, je dis mais on a conditionné l'ouverture du royaume par ces choses ici. Alors pourquoi on ne doit pas les prêcher? On doit prêcher ces choses. Parce que c'est à partir de ces choses que la porte du royaume nous sera pleinement accordée. L'amour fraternel. Et j'avais dit que c'est la dette que Dieu nous a laissée. La dette que Dieu nous a laissée. Parce que lui, il a payé notre dette. Notre dette de l'amour. Parce que Adam, notre père, était comme un débiteur qui est mort et qui a laissé la dette. Et personne n'était capable de payer cette dette. Je veux écouter quelqu'un qui a prêché quelque part. Et on dit Deux rois chapitre 4. Les serviteurs de Dieu qui craignaient l'éternel et qui est mort débiteur.
C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui craignait l'Éternel. C'est l'abomination. Non, prêche pas comme ça. Ils ont Jésus n'est mort avec la tête de personne. Yes. À la croix, il a dit tout est accompli. Vous savez, c'est ça. Frère, à ton aïeux mon tuna. De qui suis-je les débiteurs? Je le payerai. Les serviteurs de Dieu qui étaient mon débiteur, c'est Adam le premier. Et cela veut faire que l'humanité devienne captive. Et nous on cherchait à prendre ses deux enfants. C'est pourquoi lorsque le Christ est venu, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Les péchés. Alors, il a pris nos fardeaux, nos dettes. Ah, il nous a aussi laissé une dette. Et la dette, c'est l'amour fraternel. Paul dira, ne devez rien à personne. Essayez de vous aimer les uns les autres. Non, l'amour des uns envers les autres, c'est une dette. N'arrive pas à aimer ton frère comme le Seigneur te l'aimait. C'est une dette que tu n'arrives pas à payer. Alors que le Seigneur t'a remis la sienne. Toi aussi, tu dois payer cette dette-là. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Quand tu veux faire quelque chose à ton frère, tu dois raisonner, penser d'abord, réfléchir profondément. Est-ce que je suis dans la logique de l'amour fraternel? Est-ce que ce que je veux faire ne va pas défavoriser mon frère? Si c'est pour défavoriser ton frère, laisse-le carrément. Laisse-le carrément. Parce que ton frère sera peiné. Si tu vas pénaliser ton frère, aujourd'hui on commence à voir ça comme des petites choses. Mais c'est ça même l'identité. Donc il y a mon dépendant et la vie. Comme on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on croyant en Jésus-Christ. Il y a la mini en Christ Jésus. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsqu'il y a l'amour, même dans les partages des bas, même dans la prédication, on commence à dire qu'il prêche avec amour. Parfois, on n'arrive pas à convaincre les autres parce qu'on a les sentiments de gagner. Les sentiments de gagner. Vous allez voir le frère qui partage, mais avec des imputations dommageables. Non, imputations dommageables, ils s'imputent l'un et l'autre. C'est dans les choses de Dieu. Que viennent faire les injures? C'est pourquoi les autres ont été induits. Il y a un peu de combien de temps. Je crois que ça c'est la vérité, mais c'est lui qui a dit, je ne crois pas. Donc moi, je vais le savoir, c'est pourquoi il y a un peu de temps. Paul avait déjà prêché. Il a dit, alors, les ministères de la parole. Donc, il a donné aux uns comme.
bolingo. La vérité, on la professe dans l'amour. Seul. La personne avec qui tu parles des choses de Dieu, il va vraiment sentir que celui-ci, il a la connaissance de Dieu, il a aussi l'amour. Si je me joins à lui, je serai vraiment dans une bonne voie. Parce qu'en dépit de tous les enseignements que nous dispensons, on a besoin d'un fruit. On a besoin que les fruits se voient. Que vous deveniez une offrande agréable à Dieu. Que vous deveniez amour, parce que Dieu est amour. Comme le disait un de nos prédicateurs, il dit quand tu lis amour, il faut remplacer par ton nom. L'amour est patient. Il faut remplacer amour par Michel est patient. L'amour ne s'irrite point. Tu enlèves l'amour, tu mets Brinel et ne s'irrite point. Parce que tu tends à devenir amour. L'amour c'est de Dieu, frère. Tu peux devenir l'amour. Toutes ces choses là doivent se retrouver en toi. Et ce sont même l'identité. Il y a mon dégoût tout combo. La chance et la haine dans ton cœur. C'est là que la goyine dans notre monde. Comme j'avais dit la fois passée, quelqu'un qui vient, il t'arme. Tu puisses combattre par exemple le pasteur Tite. Ah, c'est lui le Satan, le diable, le camion chasseur de gens. On t'arme, on t'arme, mais combattre le frère Samuel. C'est lui le diable. C'est une personne à dénoncer dans les choses. Parce qu'on dit faute de moi, les feux s'éteignent. S'il n'y a pas de diviseur, s'il n'y a pas de rapporteur, s'il n'y a pas de rapporteur, donc les querelles, c'est moi. Il va être moteur à caméra. Il maintient toujours le feu de la dispute. Quelqu'un, après un premier second avertissement, il provoque des divisions. Alors il dit cet homme, il est perverti. Quand les frères sont comme ça, en paix, qui n'a la bouffe éternelle, lui ne fait que provoquer les divisions. On interdit, on avertit, frère, c'est ça avec les divisions. Et ici, elle est avocate, ma cabo, la tire, prédicateur, c'est ça avec les divisions. Il n'écoute pas. Il est là, on s'occupe de moi. On dit, éloigne de toi, cet homme-là. Alors, il est là, mon toana. Qui quitte l'église de Dieu? On a seulement l'habitude de chasser les impudiques. Il faut tomber dans la rue, Lumba. Mais nous sommes en train d'entretenir les diviseurs. Ah, si, bah, on a le cabo, la tonne, on dit ça, la Et lui aussi m'avait dit ceci. C'était faux. Et là, il y a le coup d'un.
été en choc. Sous-titrage Société Radio-Canada.